Salut les petits merdeux, on m'a chargé de vous faire cours de cinéma afin de vous ouvrir l'esprit à cet art. En d'autres termes, je suis votre nouveau prof et vous me devez le respect. Mais comme j'ai pas envie de voir vos tronches, ni de vous entendre d'ailleurs, j'ai décidé de faire des cours en ligne qui sont néanmoins obligatoires. Bande de fumistes! Pour bien commencer l'année, oui, chez moi l'année commence en mai, et si vous n'êtes pas d'accord, on va pas être amis. Donc pour bien commencer l'année, on va étudier l'amour entre humains et vampires. Non, il ne s'agit pas de bien les Twilight. Ça, c'est de la merde. Mais ce qu'on va voir, c'est aussi de la merde. Mais pas la même. Tu comprends pas? Bah, c'est de la merde, et si tu vois le dernier Twilight, tu dégages. La porte est grande ouverte. On n'est pas là pour voir des partous entre humains, vampires et loups-garous. Même si ça pourrait être intéressant. D'un point de vue biologique, bien entendu. Ce sujet n'est pas au programme, mais de toute façon, comme j'emmerde le programme... On va quand même l'étudier. Dans ta gueule, le chat! Outre le combo amour plus vampire, le film d'aujourd'hui se démarque également par la présence de monstres de Frankenstein. Ouais, ça devient bizarre. Et de sang. De beaucoup de sang. À déconseiller donc aux personnes souffrant d'hématophobie. Nous allons donc parler de Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Un film japonais réalisé par Yoshihiro Nishimura et Tomomatsu Naoyuki est sorti en 2011 directement en DVD. Le jour où ce genre de film sortira au cinéma, on aura du sushi à se faire. Du sushi. Quoi, c'est pas drôle, c'est ça? Me cherchez pas, je vous colle à tous en zéro. Bon, commençons par l'histoire. La nouvelle élève du lycée, qui est accessoirement une vampire, tombe amoureuse de Shugen, un lycéen banal. Elle profite de la Saint-Valentin pour lui offrir un chocolat contenant son sang, le transformant ainsi en vampire. Cependant, la fille du proviseur adjoint s'est également émourachée de notre héros. La rivalité entre les deux filles est très forte, et elle se poursuit même après que la lycéenne meure accidentellement. Enfin, elle allait quand même se faire buter de toute façon. Elle revient en effet à la vie grâce à l'intervention de son père, qui est en réalité un scientifique fou. Ce dernier a réussi à percer le secret de la vie en faisant des recherches sur le sang de la fille vampire. Outre ce scénario fabuleux qui ne sert qu'à une chose, justifier le foutage sur la gueule entre une vampire et une créature de Frankenstein, le film apporte sa petite, toute petite, touche décalée et humoristique au concept. C'est ce qui le rend si... unique. Oui, on peut dire ça. Accrochez-vous et préparez vos pansements, ça va saigner. Commençons par tout ce qui n'est pas gore, car... Attends là, j'ai bien vu ce que j'ai cru voir. Oh putain, ça commence bien. Bon, reprenons. Commençons par tout ce qui n'est pas gore, car sur ce point, vous ne serez pas déçus. Je précise au passage que certaines scènes ont été censurées, pour éviter de tous vous traumatiser. Ouais, je pense à vous quand même. Déjà, on a un héros qui, hormis déclencher les rivalités entre les deux filles, ne sert pas à grand-chose. Non, faut pas déconner, il sert absolument à rien. Ah si, dans une scène, il a une utilité. Je commence à comprendre. À quel point on peut se sentir désespéré. Quand on vit seul, pendant des centaines d'années. Ah bah non, en fait. Il se vote comme une merde. Auquel tu te raccrochais. Il ne serait pas là que ce serait pratiquement la même chose. Certes, on perdrait la raison du combat entre les deux monstres, mais bon. C'est pas comme si on regardait ce genre de film pour son scénario. En plus, il est très perspicace. Écoutez donc ça. Oh. Ce goût me rappelle quelque chose. C'est comme quand on se coupe un doigt en faisant la cuisine et qu'on se lèche après. Mais c'est du sang. Je sais pas si c'est la traduction qui a donné ça, mais en tout cas, c'est vraiment de la merde. Tant qu'on y est, parlons du doublage français. Oh, il est horrible. Déjà que je ne trouve pas les acteurs fantastiques, mais alors là, avec le doublage, c'est le combo gagnant. Soit le résultat est sans vie, soit il est explosif. Il n'y a pas de juste milieu. Dans le premier cas, les acteurs et doubleurs sont tout mous. C'est par exemple le cas pour le personnage principal. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de boire du sang? Et dans le second cas, il y a un énorme surplus de motivation. Tous les acteurs surjouent. Je vous emmerde! Je ne prends que du café bien noir, c'est clair? C'est quoi cette manie de mettre du blanc partout? Tu te prends pour Michael Jackson? Il avait vraiment un problème, ce mec. Il poussait toujours ses cris. Ouh! Ouh! Il y en a une qui n'a pas eu son café grand-mère ce matin. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. En plus, les dialogues sont plats, surtout au début où un narrateur à la voix blasée, tel un présentateur de documentaire animalier, nous présente le principe de la Saint-Valentin au Japon.
Au Japon, la tradition veut que les jeunes filles offrent des chocolats à l'élu de leur cœur. En effet, l'histoire se base sur la tradition des chocolats de la Saint-Valentin. C'est gnangnan, et en France, globalement, on s'en fout de cette tradition. Heureusement que juste après, on est réveillé par une scène bien gore dont je vous parlerai plus tard. Il serait dommage de vous dégoûter du sang si tôt dans ce film. Et puis, faut bien garder un peu de suspense. Et surtout, si vous faites un malaise, je ne vois pas comment l'infirmière de la fac peut venir vous aider, puisque vous êtes chez vous. Enfin, vous aider... Si j'étais vous, j'éviterais l'infirmerie. Parlons un peu des réactions des protagonistes. Celles-ci sont assez drôles lorsqu'elles ont trait à la Saint-Valentin. Elles sont totalement inappropriées et exagérées. Fouille générale! De manière générale, les personnages ne sont pas mal dans leur genre. Oh putain de bordel de merde! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais franchement, vous avez déjà vu ça? Aurait-on donc trouvé la muse de LMFAO? Ses amis ne sont pas mieux. On a un tas de clichés poussés à leur paroxysme. Les lycéens se regroupent en bandes en lien avec un thème et ils en ont tous les stéréotypes. On a donc le groupe des afro-japonaises. Elles sont maquillées pour ressembler à des africaines, portent des labrets, c'est le nom de l'ornementation qu'elles ont sur la lèvre, ont des lances et leur leader porte même une coupe afro. D'ailleurs, son nom est Afro-Rika. J'aime les clichés. Non mais comme si on n'avait pas déjà compris qu'elle était black. Ah, et elle rêve de battre tous les records à la course à pied. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de black au Japon? Enfin, ça leur aurait coûté quand même moins cher en maquillage de l'engager. Et puis ça aurait fait moins peur. Il y a aussi les suicidaires qui ressemblent un peu à des zombies. Elles ont une mine de déterré, pratiquent la scarification et font même des concours. Oui, des concours de scarification. Il y a même des affiches dans l'école. C'est un loisir comme un autre. Et ces filles adorent la salade. Bon là, je vois pas trop le rapport, mais bon, faut pas chercher. Saucisson. On a le groupe des copines de la rivale de la vampire. Ce sont les filles populaires qui tentent d'imiter leur idole. Classique et sans intérêt. Le scientifique fou avec son maquillage de théâtre japonais. Oui. C'est le même, mais il n'aurait pas eu l'air d'être aussi cinglé s'il avait juste porté une blouse. Son assistante, l'infirmière en tenue moulante. Faut bien un peu de sexy dans ce film. Et Igor. Oui, Igor. Mais ça m'excite tout ça. On a aussi la présentation d'un de leurs profs, qui peut fumer plein de clopes en même temps. Badass! Eh oui, j'ai un pouvoir inutile qui va me faire mourir 10 fois plus vite que les fumeurs normaux. Super, me direz-vous. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire? Je vous dirais bien rien, mais ça serait un peu de la mauvaise foi. Retenez juste ces divers personnages, jeunes impatients, vous le saurez bien assez tôt. Passons maintenant, mes chers élèves, à ce qui pourrait passer pour banal dans un film de monstre, à savoir la présence de sang. Pour ceux qui se demandent d'où ça vient, ce sont les restes du dernier élève qui m'a fait chier. C'est peut-être pour ça que j'ai été viré d'ailleurs. En effet, aujourd'hui quand on regarde un film avec des scènes violentes, on s'attend à voir un peu de sang afin de rendre l'effet plus réaliste et plus horrible. Et c'est tout à fait normal. Certes, parfois les réalisateurs abusent un peu en tournant des scènes vraiment sanglantes, comme on peut le voir dans 300. Mais alors là, dans ce film, ce n'est pas un peu trop de sang qu'il y a, non. Ce sont des litres, et 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 des litres de sang. Je crois qu'il y a plus de sang dans ce film que dans l'ensemble des films que j'ai vus dans toute ma vie, et ce n'est pas rien. Et vas-y qu'il pleut du sang. Et vas-y que ça coule sans arrêt. Monsieur Nishimura, la commande du faux sang vient d'arriver. Ah, enfin, on va pouvoir commencer à tourner. Mettez-le dans la petite pièce où on stocke les accessoires. Il n'y aura pas assez de place. Pas assez de place pour un bidon? Un bidon? Vous ne voulez qu'un seul bidon? Bah oui, pour pouvoir mettre un peu de sang sur les personnages. On tourne quand même un film de vampire. C'est-à-dire... J'ai fait commander 10 cuves de 1000 litres. Quoi? 10 cuves de 1000 litres? Oh putain! Bon, c'est trop tard maintenant, on va tout utiliser. Les spectateurs n'y verront que du feu et puis ça sera encore plausible pour des vampires. Il existe très probablement d'autres films du même genre, mais ça surprend quand même la première fois qu'on en voit un. Yoshihiro Nishimura n'en est d'ailleurs pas à son premier essai. Il a réalisé Tokyo Gore Police, mais celui-ci contient un peu moins de sang. Une cuve de moins, vu le nez. Et je le trouve moins drôle et un peu plus gore, bien que complètement barré aussi. Comme vous pouvez en juger, c'est également un joyeux bordel. Mais revenons à l'utilisation du sang dans Vampire Girl vs Frankenstein Girl. La scène d'ouverture nous fait directement entrer dans le bain, ou dans la douche ici, tout dépend du point de vue. Regardez ça, on passe directement du documentaire soporifique à ça. Putain, mais ça surprend quand même. Les premières secondes, tu te dis que ce film est chiant, mais quand même mignon avec la petite fleur. Et juste après, tu te tapes ça, quoi. Ça.
Non mais merci la transition. Au Japon, la transition. C'est chiant. Veut que les jeunes, si c'est tout le temps comme ça, ça va vite me gonfler. De leur cœur. Oh putain, c'est quoi ça? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je regarde? En tout cas, c'est sûr, ça réveille. Heureusement ou non, tout dépend du point de vue. Mais bon, je préfère quand même ça à 1h30 du documentaire sur les chocolats au Japon. Au Japon, le chocolat est produit à partir de fèves de cacao. Direct en voyant ça, tu sais que tu entres dans le monde merveilleux de Vampire Girl versus Frankenstein Girl, et que tu vas en prendre plein les mirettes pendant tout le film. Parce qu'à ce moment, tu ne sais pas encore de quoi ça a parlé, que ça éclabousse déjà dans tous les sens. Nous, on sait accueillir avec douceur le spectateur. La scène suivante nous rendort un peu. C'est celle où le prof pique les chocolats aux fillettes. Et après on s'étonne que la profession n'est pas aimée. Ça redevient chiant, mais c'est le calme avant la tempête. Car à partir de là, la logique quitte ce film. Enfin, si on pouvait parler de logique avant. Car oui, suite à cette scène, mon ami la vampire donne au personnage principal un chocolat fourré avec son sang. Vu le bad trip qu'il fait, je serais vraiment pas étonné qu'il y ait autre chose dedans. Mais surtout que cette fille est une putain de psychopathe. En dehors de faire boire son sang à d'autres gens, ce qui témoigne déjà d'un certain dérèglement mental, elle harcèle le héros pour qu'il devienne vampire et vive pour toujours avec elle. Cependant, elle ne fait pas totalement sa pute et lui laisse quand même le loisir de pouvoir choisir par lui-même. Bon, j'attends ta réponse. Pas question. Qui voudrait être un vampire? Bien. Mais maintenant que tu connais mon secret, je dois malheureusement te tuer. Attends. Dans ce cas... je veux bien être un vampire. Sage décision. Elle vient de faire sa pute, là, non? Si, tu veux vivre avec moi? Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. Si tu veux pas, je te bute. Ah, si on parle de sentiments, c'est différent. J'accepte. Meuf, ça s'appelle du chantage que tu fais, et c'est illégal. Ok, d'accord, je ne dis plus rien, tu fais ce que tu veux. Mais ce personnage est loin d'être le seul psychopathe du film. Le professeur Fu en est un autre bon exemple. Écoutez un peu ce qu'il dit lorsqu'il se retrouve face au cadavre de sa fille. Génial! C'est génial! Je vais pouvoir couper son corps en petits morceaux! N'importe quel père rêve de pouvoir faire ça à la chair de sa chair! Quel bonheur! Ma fille! Ah, ma jolie petite fille adorée, ah, je vais pouvoir te découper. C'est juste malsain. Je n'ai pas d'autre mot. Je ne sais pas qui faut avoir le plus peur entre la vampire et lui. Ok, de la vampire. Laissons tomber les psychopathes, sinon on risque de devoir se pencher sur chaque personnage, et ça fait du monde. Et concentrons-nous sur le but de ce film, à savoir le combat entre la vampire et la fille Frankenstein. Celui-ci est d'ailleurs très bien annoncé à la manière d'un jeu de combat avec un écran splitté, au cas où vos esprits brillants n'auraient toujours pas compris que maintenant ça allait être LA baston du film. Au bout d'une heure. Oui. Vous noterez l'utilisation d'un effet un peu cheap de flamme pour rendre tout plus classe. C'est vrai que c'est tout de suite plus badass avec des flammes. Yeah. Donc, ça se bastonne. Perceuse contre lame de sang, nunchaku électrique contre squelette, main avec des yeux contre croix en bois, et tous les personnages secondaires crèvent. Car il faut bien rentabiliser l'achat de tout ce sang. Puis la fille Frankenstein se barre. En hélico. J'ai dit, attends-moi! Enfin, avec son bras, qui fait l'hélico. Putain, mais qu'est-ce que je vous montre? Ensuite, ça se rebastonne jusqu'à la fin. Je vous passe les détails. Il est temps de passer à la crème de la crème de ce film, à savoir les 5 meilleures scènes ou les 5 pires scènes. Tout dépend du point de vue. Regardez bien et prenez-en la graine. Ça pourrait vous servir si vous avez un jour à tourner un film. Ça a été vachement dur de choisir seulement 5 scènes, vu le nombre pouvant entrer dans ce top. Fumante, j'ai d'ailleurs pu figurer. Numéro 5. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on mérite de se pencher sur ce maquillage magnifique. Il faut saluer le courage et la force de l'actrice. Porter 5 kilos sur la tête, c'est pas simple. Par contre, t'as vraiment une sale gueule. Numéro 4. Quoi? Je me prépare? Voilà le point culminant de la présence de sang. Rien à redire, cette scène illustre parfaitement ce film, du sang et du bon goût. Vous noterez que le sang provient à la fois du mec, mais aussi des côtés de l'écran. Pauvre gars, je me demande bien où il le stockait ce sang, il y en a quand même beaucoup. Numéro 3. Il s'agit de ma scène préférée. Elle est complètement barrée et reflète bien l'humour du film. Ça irait bien dans un jeu Guitar Hero quand même. Numéro 2. Dans cette école, comme évoqué précédemment, il existe un club de scarification.
Plutôt étrange et même dérangeant, me direz-vous. Mais le pire, ce n'est pas le club en lui-même. Non, ce sont les concours organisés. C'est glauque, bizarre et tout ce qu'on veut. Et le pire, c'est que cette scène n'est que numéro 2 du classement. Oh putain, mais qui est-ce qui peut être pire que ça? Réponse dans 5, 4, 3, 2, 1... Numéro 1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici l'heure de la scène la plus improbable du film. Attention, Dieu. Je ne la commenterai pas car il n'y a rien de plus à ajouter. Admirez juste. Vous vous rappelez les personnages que je vous ai présentés plus tôt? Eh bien, ce super zombie a été créé à partir de leurs membres. Les jambes de la super athlète afro-japonaise, les bras résistants de la suicidaire, les poumons du prof fumeur, et bien sûr, le corps de la chippie. Ça se voit mieux quand ce monstre est encore sous forme humaine. Bien que j'ai pu critiquer une bonne partie des éléments de ce film, je ne peux vous conseiller que de le regarder. Il serait vraiment dommage de passer à côté. Les différentes scènes, toutes plus pareilles les unes que les autres, les personnages improbables, l'excès de sang et le doublage approximatif contribuent à faire passer au spectateur un bon moment. Indépendamment, ces éléments sont plutôt ridicules, mais mis ensemble, ce sont eux qui rendent ce film vraiment fun. Une fois passé la scène d'intro, on est immergé dans un univers gore et étrange. L'ennui du début laisse sa place à la surprise, et on se demande constamment où va bien pouvoir nous emmener ce film. Certes, il est fortement possible de ne pas accrocher, mais tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas si vous aimez. Que vous soyez donc un adepte de films gore, japonais ou juste débile, vous ne devez pas passer à côté de Vampire Girl ou aussi Frankenstein Girl. Surtout que vous avez encore beaucoup à découvrir. Il y a énormément de passages bizarres que je n'ai pas pu placer dans cette chronique, faute de temps. En y repensant, je vois pas de scène qu'on pourrait qualifier de normal en fait. Je vous recommande donc de regarder ce film, de préférence entre amis. Seul, votre santé mentale risque d'en prendre un sacré coup. En plus, ce film est très instructif. Saviez-vous qu'en réalité, un corps humain n'est pas composé d'environ 5 litres de sang, mais d'au moins 50 litres? Et ouais, on en apprend des choses en regardant Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Avec ça, vous êtes sûr d'obtenir au moins un 20 auprès de mon collègue en SVT. Et pour vous montrer que je ne mens pas, je vais demander son avis à l'un de vos camarades. Je précise qu'il n'a nullement été influencé par moi. Terminons par l'avis de l'un de vos sympathiques camarades que j'ai rencontré. J'ai profité du cours pour mettre en pratique ce que j'ai appris de ce film, qu'un corps humain contient plus de 50 litres de sang. Alors machine, arrête de dormir et dis-moi si t'aimes ce film. Eh oh, je te parle, connasse. Réveille-toi, bordel. Merde, elle est morte. Oh putain. Oui. Et il y a à peine 3 litres de sang dans la bassine. Eh, ce film aurait donc trompé, fumé d'arnaqueurs, utilisé le cinéma pour colporter des mensonges. Heureusement que ce cours est là pour divulguer la vérité. Eh toi, t'as aimé le film alors? Comme vous pouvez le constater, la demoiselle a également aimé ce film, à tel point qu'elle ne regardera plus jamais d'autres.